Bon, où est-ce que j'en étais? Beaucoup d'entre vous, vous aurez des entités qui vont entrer dans des systèmes, dans des gens, pour vous nuire. Et je vous racontais l'histoire de la dame qui a fait son lavage. 2 jours après, toutes ses activités sont attaquées. Je disais que c'était normal. Et là, elle vient de m'écrire, elle me dit que tout a été restauré. Donc, je vous parle aussi de l'autre dame qui a entendu l'esprit lui dire d'acheter des chaises pour mon sanctuaire. Elle envoie l'argent pour l'offrande, pour les chaises. Je n'ai même pas encore touché l'argent. Hein. On lui donne finalement le titre de séjour qu'elle attendait. Elle m'écrit l'autre jour, elle me dit qu'on m'a donné ma carte de combien? C'était 3 mois. Hein. Donc, moi, elle a déjà une réponse. Elle attend maintenant qu'on lui donne seulement. On la rappelle pour qu'elle vienne chercher la carte finale. Quand vous allez commencer ce que je suis en train de vous dire là, vous allez voir que c'est pour ça que vous devez être sensible spirituellement. L'attaque va venir. Pour sentir cette attaque, hein, c'est un peu comme si quelqu'un essayait de rétrécir ta façon de penser. Tu vois, tu arrives, tu penses peut-être que, ok, là, on vient de. Ce mois, on a eu 2 millions de bénéfices. La personne dit, ok, comme on a eu 2 millions là, il faut qu'on fasse profil bas. Hein. Tu sais, si tous les mois, on peut seulement avoir 2 millions, ça va. Toi, le mois prochain, tu veux 10 millions. Et c'est là que la personne va commencer à te dire depuis combien d'années il est dans ce business. Comment il connaît, toi, tu ne connais pas. Tu as quelle expérience? Listen, la foi, c'est l'assurance de ce que je ne vois pas. Donc je ne vois pas, mais mon cœur me dit que pas là-bas. C'est ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas, mais que j'espère. Tu restes comme ça un matin. Est-ce que tu te dis, tu vas imposer un monsieur qui travaille aux Champs-Élysées ou bien qui travaille avec le président Macron, tu vas te retrouver dans. Tu ne sais pas en fait. Mais il y a une grosse idée qui entre dans ton cœur. Bonjour la reine Denise. Tu vois la voiture là, non? Toi aussi, tu vas voir ta part de voiture cette année. 0 km au compteur. Pas la Toyota Corolla, hein? Pas la Toyota Corolla 2022. Non. On m'a dit qu'ils vont te traiter d'insolente. Que tu ne connais pas comment le business se passe. Nous, on est ici là depuis longtemps. Quand je suis arrivé au Cameroun, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Et croyez-moi, je suis tombé plusieurs fois. Mais vous n'avez pas besoin de tomber pour apprendre. Moi, je suis ici là depuis 10 ans. Je connais comment le Cameroun fonctionne. Tu te précipites trop. Dans la nuit, l'esprit me dit, va, fais ça. Pars, prends ça, achète ça, investis dans ça.
Je dis que ah, les pages déposent. Ça marche un coup, ça échoue un coup. L'esprit me dit, tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Il dit, ok. D'accord, j'ai appris quoi? J'ai appris quoi? Ok. Il ne faut pas laisser tout ton business à tes employés. Prends bien soin de tes grands clients. Quand tu penses à une idée, il faut investir. Là, là, là. C'est parfois quand il y a les problèmes que c'est les meilleures opportunités. Pendant le corona, si tu es bien concentré, c'est là que toi tu fais le plus d'argent. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Tu vois les leçons, tu vois les leçons, tu vois les leçons. Tu dis, waouh! L'esprit te dit, va. Va à la fête là avec tes amis ce soir. Tu te retrouves à Bonaprise ou bien dans un des grands quartiers. Durant la fête, tu rencontres le ministre. Et comme tu as les yeux des dessins animés comme pour moi, c'est là. Vous savez, les choisies sont des femmes très attirantes. C'est pas toi qui fais. Il y a un truc dans ton aura qui est attirant. Super attirant. Donc, c'est rare qu'un homme te regarde aussi, il résiste. J'aurais même dit un esprit qui apprivoise. Voilà, le ministre là te voit. Il n'arrive pas à enlever ses yeux sur toi. Il fait n'importe comment. Et vous savez, les riches ne draguent pas comme les pauvres. Un jour, j'étais dans un restaurant. Dans un 5 étoiles une fois. Un au resto, hein. Il avait sa mère, sa femme. Son fils vient même me saluer. Hé, hey, bébé, ça va? Son fils signe sur moi, il blague, il blague. Et le resto, le prix du resto là-bas, c'était pas un petit argent. On finit de rire, de sympathiser, voilà. Il a sa femme. Il part. La serveuse vient me dire, la note a été réglée, madame. Je fais, ok, merci. Elle dit, avec les compliments du monsieur qui était assis là-bas. Je fais, ok. Devinez quoi? Dans la note, bien sûr, il y a son numéro de téléphone. Oh my God. Vous voyez un peu, non? Parce que les choisis ont cette aura-là. Il y a un truc très attirant. C'est pour ça qu'en tant que choisi, tu dois aussi connaître ton pouvoir, en tant qu'homme ou femme. Même si tu es un homme, tu es très. Tu as un truc en toi qui attire. Donc, on aime te regarder. On aime. I can't get my eyes off you. C'est pour ça que. Eh oh! Oh! yeah! Oh! Madame, madame! Oui, c'est même quelle façon d'aborder une reine ça? Tout. Mais t'as vu son chauffeur, il te livre quelque chose, je sais pas. Je sais pas, vous voyez un peu. Écoutez, vous allez me voir que la façon dont vous draguez va changer. La façon dont vous draguez va changer. Je dis moi ma chose. Ok, continuons. Donc tu arrives à la fête, tu vois ce ministre-là. Et ce matin-là, tu avais cette ferme conviction que tu vas être connecté dans les hauts lieux du pays. Du coup, tu mens comme ça là. Hein. Parce que ton étoile, c'est pour ça que tu te vois chaque jour dans le rêve avec Eto. Parce que tu as une aura qui te. L'aura des riches, c'est toujours en haut là-bas. On monte, on descend, tu vas te retrouver dans un endroit riche. Maintenant, le tout-ci, ce qui est différent, et vous devez savoir cette fois-ci, ce n'est pas le genre que tu étais connecté, après du jour au lendemain, il ne te contacte plus. Genre, vous parlez bien, après un beau, du jour au lendemain, ça, tu écris, il ne répond plus. Tu écris, il ne répond plus. Je dis, mais l'homme qui n'arrivait pas à se passer de me faire des messages le matin, qui me met toutes les petites photos de moi, vous connaissez vous-même les filles là, vous connaissez ce que vous faites. Je ne vais pas vous dire. Ha 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 ha
reconverti. Je me suis reconverti. Maintenant, j'utilise mon énergie du bon côté. Ah, Seigneur. C'est pas que c'était le mauvais côté. C'est pas que c'était le mauvais côté. Mais il y avait juste ce truc-là que j'avais remarqué que quand tu étais sur le train pour faire un bon truc, pour qu'il te donne même qu'il te fasse même que la banque te donne même 40 millions comme ça pour que tu lances ton activité, tu construis ton immeuble. À un moment, pouf, 2 semaines avant le deal, ça s'arrête. Il y avait toujours ce syndrome de quand tu es à côté du truc, paf, ça s'évapore. Le tout, si, hein, mamie, tu seras zen. Zen. Tu te lèves le matin comme ça. Tu sens que ton aura te pointe même au septième ciel. Tu es au-dessus de toute la ville là, tu es au-dessus. Tu couronnes la ville. Dans ta méditation, tu vois comment tu es en train de t'élever. Tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves. Et tu n'as même plus peur. Tu vois, avant, quand il disait qu'il va te donner, tu comptais les jours seulement. Tu comptais le jour. Jour J-10. Ah, j'espère qu'il va me donner l'argent là. Jour J-5. Ah, tu l'écris un peu comme ça, aujourd'hui, il ne répond pas. Tu me dis, ah, il va me donner l'argent là. Ouais, laissez-moi, c'est ça, de rire. Écoutez, moi-même, je suis dépassé. Quelqu'un, si quelqu'un écoute à la porte, la personne va dire que la fille la parle seule. Il n'y a personne d'autre dans la chambre. Elle parle, elle rit seule. Elle fait tout seule. Ouais. Tu as les Decepticons, tu as les ceci, ils sont là, ils vont venir. Tu ris seulement. Tu vas voir que le tout, si. Tu vois même que ce que. Ce qu'on devait te donner. Bonjour, bonjour et merci, la reine Suzanne. Écoutez, c'est ma lumière qui fait que je suis belle. J'étais toujours belle, hein. Mais ma lumière. Ma lumière. Tu vas voir que le tout, si tu es zen, tu te réveilles le matin, tu ne le stresses pas. Parce que croyez-moi, quand quelqu'un vous promet quelque chose, quand quelqu'un vous promet quelque chose, surtout quand quelqu'un te dit, je vais te donner 10 millions. Ton gars là qui passe son temps à acheter des cargos de choses de 200 millions, wow, j'ai acheté une villa de 50 millions, de 100 millions. Quand il te promet 5 millions, ma chérie, 15 millions, 20 millions. Une femme est venue une fois, elle me dit, elle a un milliardaire. Elle est sa quatrième go. Écoutez, moi, je ne juge pas mes clientes. Je vous prends quand vous venez. Je calcule la dîme. Attendez, je vais rire. Excusez-moi. Parfois, je trouve que je suis amusante. Moi-même, je ris de moi-même. Je sais que si je suis à 15 millions par mois, ma chérie, tu as 15 millions par mois, ça me fait 1,5 million. Pourquoi pas? Donc j'ai intérêt à ce que tu prospères. Excusez-moi. J'ai une cliente qui vient l'autre jour, elle me dit, ouais, je vais gagner à l'euro million. Franchement, elle a une de ses fois. Donc je l'écoute. Et on avait cette énergie, cette chimie-là entre nous. Et après, quand elle dit qu'elle va gagner à l'euro million, je dis, amen, que je m'accorde avec toi. Elle rien me regarde, elle dit que... Et c'est que tu rigoles comme ça parce que tu calcules déjà ta dîme et tu dis que oui, non. Oh putain, je suis de bonne humeur ce matin. Oh, ça c'est ma thérapie de rire. Un degré d'argent, hein. Où la dîme, ce n'est même rien. Bon, en fait, la dîme, c'est quoi? Chaque jour, j'ai 5 millions qui entrent dans mon compte. Demain, ça va entrer.
Après demain, ça va entrer. Dans 10 jours, ça va entrer. Fais circuler l'argent. Donc, comme je disais, tu vas remarquer que, et j'ai une de mes filles là qui me dit ça tout le temps, elle me fait des messages, elle me dit que, je sais pas, mais je sens une paix en moi. Je sais, tu vois, elle dit que avant que je faisais mes choses, j'avais un peu, mais le tout c'est, je sais que ça va marcher. Je sais. Je lui dis que tu n'es que dans le début. Dans 6 mois, tu vas te retourner, tu vas regarder. Tu vas dire, waouh, je reviens de loin. Tu vas dire, waouh. Waouh. Quand je pense qu'à l'époque, sortir 100 euros pour moi, c'était dur. On parlait de 100 euros de dîme, je disais, ah, me voilà aujourd'hui, je sors 2000 euros. La dîme, sans souci. Je vais comme ça à Lancel, je vais à Louis Vuitton, en fait, il n'ai plus peur. Est-ce que vous savez que vous avez souvent peur? L'argent est. Ah. J'ai parlé de la peur, ça fait peut-être 3 jours, j'ai fait un direct. On coupe de ton salaire pour donner à l'église. L'autre là, c'est forcé, ma chérie. L'autre là, c'est forcé. Ça, c'est la dîme forcée. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Je crois que c'est peut-être au Canada ou bien. Non, je ne sais pas. C'est quel pays? Si on coupe pour seulement ce que c'est forcé, l'autre là, c'est le forcé, forcé. Ta dîme doit venir de ton cœur. J'ai parlé de la peur l'autre jour. Et je vous ai dit que quand vous allez faire le checking, vous allez checker votre vie, vous allez voir que vous avez peur de beaucoup de choses. Inconsciemment. Peur d'être abandonné. Peur d'être maman mère célibataire. Peur de perdre ton boulot. Peur. Si tu te réveilles, le père de tes enfants est mort, tu es devenu mère célibataire, non? Si tu arrives au bureau, on te dit que voilà, l'entreprise ferme, tu es devenu sans boulot, non? Et vous avez dit le jour-là que faites face à toutes ces peurs-là. Peur même que ta source de revenus, ça finisse. Ok. Si demain, ton bureau là brûle. Là où tu fais ton business, ça brûle. Tu vas trouver une autre façon, non? Vous allez voir que votre petite source de revenus, là, t'es petit. Pensez à plus grand que ça. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Tu ne peux pas recevoir 5 millions chaque jour en demandant l'argent à quelqu'un. Même l'homme là va se fatiguer. Que ma chérie, tu sais quoi? Are they tired? Donc, tu ne peux pas passer ta vie à demander l'argent aux gens. À un moment, c'est ton énergie qui doit te porter. Quand tu restes le matin comme ça, là, tu sais que je peux attirer 5 millions, 10 millions. Je vous ai dit, vous devez justement détecter les failles par lesquelles, les trous par lesquels ça sort. Quand tu adresses ces trous-là, et vous savez, j'ai un vieux goût de vengeance dans ma bouche. C'est vrai, pour moi, je m'excuse. Je vais vous dire mon goût de vengeance. Ma mère, très entrepreneur, elle était très entrepreneur. Elle était très belle. Oui, maman. Oui, maman. Ok. J'ai grandi en l'observant. Elle est montée, elle est descendue. Chaque soir, ma mère rentrait avec l'argent. Quand elle a eu son amour de jeunesse avec mon père, chacun d'eux est parti dans sa direction. À un moment, ma mère a chuté. C'était l'opposé pour mon père.
J'étais pas très beau à voir. Parce que j'aimais les deux. Je voyais comment ma mère souffrait. Merci, Nathalie. Même jusqu'à sa mort. Et vous connaissez ce que c'est quand tu vas vers ton baby daddy pour demander l'argent. C'est aujourd'hui que je peux comprendre. Il y a des choses qu'elle ne m'a pas dit. Il y a une certaine fierté que tu dois écraser pour retourner vers quelqu'un avec qui tu as eu les enfants. Et à un moment, vous êtes séparés parce que vos idées ne coïncidaient pas. Quand plus tard, je me suis retrouvée dans cette situation, ça venait avec un petit chantage émotionnel. Un chantage très subtil. Parfois, il y a des mots qu'on va t'adresser parce qu'on sait que tu es en position de faiblesse. C'est le quantième business que tu fais. Tu as encore besoin d'aide. Je t'avais parlé, tu ne m'as pas écouté. Je t'avais dit qu'il fallait rester avec moi. Et tu connais ce que tu avais vu quand tu étais avec la personne. Tu sais que dans le couple, là, c'est toi. Si vous n'étiez pas égal, c'est toi qui étais même plus. Tu pensais même plus que la personne. Et j'ai vu ça tellement de fois dans la société. On te laisse avec les enfants. Ça te ralentit. Ton moral est à terre. Tu te retrouves en train d'accepter le prochain homme. Le prochain va te dire, ah, peut-être qu'il. Tu regardes en lui un père pour tes enfants. He never gonna be your baby daddy. Sera jamais un père pour tes enfants. Parce que le père de tes enfants, c'est l'autre là. N'essaye même pas de chercher à remplacer. J'ai été chef pour les relations. Hein. Et j'ai un esprit tellement fort que quand ça ne va pas, quand il voit qu'on veut prendre l'espace dans ma tête, I'm like, no, heaven, no. Je veux ma sanité dans ma tête là. Je veux penser. I want to think right. Ça ne va pas 3 semaines plus tard. Maman, ton copain est où? Non. Je sais là où je suis parti. J'ai arrêté la relation. J'ai arrêté la relation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On pensait que c'était l'homme idéal. Oui, moi-même, je pensais. Jusqu'à ce qu'il se dit, il devienne un Decepticon. Certains, on s'est moqué de vous. Oh, voilà. Depuis que j'étais quittée, mes enfants ont déjà eu 5 pères. À un moment, je me suis assise, je me suis dit, pour moi, pas pour mes enfants. Je vais réussir. Pour moi, hein? Pas pour l'enfant. For me. Le cycle qu'il y avait dans la vie de ma mère, je vais briser ça. Combien de fois vous avez vu des situations? Vous avez l'enfant dans la jeunesse 20 ans plus tard. Dans la plupart des cas, c'est toujours la femme qui est pauvre. Dude, I'm gonna break that cycle. I'm gonna break that freaking cycle. I don't want to swear. J'ai des nuits où je n'ai pas dormi. Je dormais à 3 heures. Je me réveille à 5 heures. Je mets les livres de motivation. Je mets même mes propres motivations, je m'écoute.
Parce que le respect, ça ne se demande pas. Le respect ne se... On ne va jamais te donner ton respect, ma chérie. Malheureusement, en tant que femme, on ne nous fait pas de cadeaux. I'm sorry, I'm just telling you as it is. Combien de fois tu es dans un business meeting avec un homme? Quand je vous vois, souvent, vous rencontre, je vois, vous êtes femme forte, tu as ton empire que tu es en train de construire. Tu vas savoir comment ça me plaît. On était trop fort, on était faible trop longtemps. Je n'ai rien contre les hommes, hein. Il y a des hommes qui me suivent. Parce qu'il y a des hommes qui ont été fabriqués par leurs femmes. Chaque fois qu'il rentrait le soir, c'est toi. Tu parles dans son esprit. Tu lui donnes les stratégies. À un moment, je me suis dit, heaven no. Je veux pas. I don't want to sweat today. Like, you know what? Je me mets avec 5 hommes. Je quitte les 5. Il devient millionnaire. Et quand je vois le turning point, c'est quand je suis passé dans leur vie. Il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Je ne peux pas donner aux gens que je n'ai pas moi. Never. Et ça fait mal quand on vient te trouve. Tu es mal habillé. Tu es là comme ça. Là, tu demandes, ouais, donne-moi même 200 000 là, non. Il dit, oh. Tu sais que tu es très intelligent, non? Et tu sais que quand j'étais avec l'homme-ci, he ain't that smart, you know. Il n'est pas si intelligent. Comment il a l'argent, moi je n'ai pas. Moi je ne dis même pas qu'une autre en profite aujourd'hui. Écoutez, le respect, quand tu ne demandes rien à personne, parce que tu as la politique des moyens, tu ne vas pas demander ton respect. On va porter, on va venir te l'offrir sur un plateau. On va dire que you got balls, girl. Tu as les boules. You got balls, girl. Et je dis encore mieux. Peu importe la richesse que tu as, I'm coming for you. Ah. Vous ne pouvez vous permettre d'être pauvre. Well, you can't. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas manger l'argent? Pas que manger, mais la richesse ne leur va pas aussi bien qu'à vous. C'est pour ça que tu dois être smart. Tu dois être rusé. Tu ne perds pas le temps pour bavarder. Mon temps, c'est de l'argent. Tout ce qui occupe mon esprit. Money. Kadi a chanté une chanson. All I need is money. I got my eat-a-poo. Vous savez quoi? J'aime trop les rappeuses américaines. Hein? Souvent, je prends le baf comme ça et dépose à côté de mon lit. J'ai un gros baf là à la maison. Je mets le volume le matin, hein, 6 heures. Quelqu'un va se dire que wow, tu vas me tromper. Guy, tu sais quoi, man? Je n'ai pas le temps.
I don't got time for that. Il y a un niveau où le sexe, c'est petit niveau. Tout ce qui est dans ta tête, comment est-ce que je prends 1000 francs, je fais ça devient 100 000. Multiplication exponentielle. Tout est dans ton énergie. Tu achètes quelque chose à 1000 francs, tu vends à 20 000. Tu achètes à 10 000, tu vends à 100 000. Roha. Un matin, tu te lèves, tu te dis, pour avoir 10 millions, j'ai besoin de 500 clients. Non. Je vais upgrade le business ici. Pour avoir les 10 millions, là, il me faut 2 clients. I need 2 clients. C'est là que tu vas raffiner ta vision. Tu vas lire. Tu vas te former. Dans la nuit, tu ne dors pas. Écoutez, la nuit, ce n'est pas pour dormir, mes femmes-là. Night is not for the sleep. Tu dors, ta vie dort. C'est pour ça que tu es encore là-bas, ma chérie. L'argent vient avec de nouvelles connaissances. Souvent, les matins, vous me voyez, comme ça. Ah, tu es fatigué. Tu es fatigué. Je préfère dormir dans ma Mercedes. Au lieu d'être avec les yeux qui n'ont pas de CNE. Et je marche à pied. Listen to me very well. Ne parlez pas seulement. Vous devez parler, vous mettez l'action derrière. You back it up with action. Personne ne peut te détruire. Mais tu es la première à arriver dans ton propre entreprise, dans ta propre entreprise. Tu apprends à gérer tes finances, à organiser ton temps, à raffiner ta vision, à planifier. Tu apprends le trading. Je vous parle du trading tous les jours. Vous êtes déjà parti étudier le trading. La seule chose qui va te sortir de ce foyer-là. Oh, Sultan, tu sais quoi? High five. Oh, hier, j'étais au resto. J'ai trouvé un, j'ai pris un truc là, le flan. Un flan là, c'était bon. Ceux qui sont sur WhatsApp, vous m'avez ajouté sur WhatsApp, vous allez voir mon statut d'hier. C'était bon. Je goûte le flan, j'ai dit qu'on a mis le lait dedans, on a mis le fromage, on a mis le beurre. Ou c'est quoi qu'ils ont mis dedans comme ça là? Je suis resté au resto là comme ça là. J'ai commencé à penser au sexe, je me suis dit, what the heaven is this? C'était tellement bon. Après, il y avait un peu de caviar sur les sushis là. Je prends, je mange. Après, je prends le vin. Après, je dis que non, non. Money is good. Money is good. L'argent est bon. Vous croyez que vous avez fait l'amour, hein? Ah. Il y a des restaurants où tu pars, tu t'assois. Tu vas jouir sur la chaise. Bon, j'espère que Facebook ne va pas bloquer le mot jouir. Tellement ton palais va s'allumer. Tes sens s'allument comme ça. Tu es content, tu es apaisé. Tu dis yay. Yay. En plus, quand ce n'est pas l'argent que quelqu'un t'a donné. Tu vois, quand tu sortais souvent, il y a les hôtels que je me paye aujourd'hui. Hein, qu'avant, même si j'avais l'argent, j'allais dire que non, il faut que, si ce n'est pas le gars là qui m'amène là-bas. Et quand tu es en train de manger comme ça, il sait qu'il va aller, il va aller récupérer son argent tout à l'heure. C'est encore plus sucré quand c'est toi-même, ma chérie.
Écoutez, je vais changer votre mindset. Vous allez devenir boss lady. Tu n'as plus besoin d'attendre. Chérie, je vais aller faire le shopping. Tu demandes-moi pendant 2 semaines. Avant qu'il te donne sa carte. Non, j'étais en ville, je me sentais, j'étais un peu, j'étais à l'arrière de la voiture, je n'avais rien à faire, je me suis dit, ben, let's do some shopping, hey, hey, allez, tu dis au chauffeur, viens juste là-bas, piou, allez, tu sais quoi, j'ai vu ça, ça me plaisait, tu as acheté ça, pourquoi, tu ne portes jamais, I liked it, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Je passais. Ouais. Parce que tu sais quoi, tu te lèves assez. Tu te lèves à 4 heures. Quand tu es là en train de mettre sur les stock market pour le trading, là, tu es en train de voir comment tu vas investir. Tu vois comment tu vas. Et apprendre le trading, c'est dur. Hein. Il y a les wake que ça donne un genre d'argent. Apprendre ça. Il y a les soirs, tu dis comme ça, ta tête chauffe, tu dis que ouais, c'est même quoi ça, elle veut plus. Tu fais même 2 jours, tu pars encore sur ça. Je travaille mon argent. Vous savez ce que le mot, quand tu dis mon argent, pas que l'argent, non, non. My money. Quand tu conjugues de cette façon-là, c'est doux. Je parlais avec ma. Avec ma jumelle l'autre jour, elle dit elle dit que le premier jour, ah oui, boss lady, moi-même j'attends ça. Elle dit que le premier jour, tu me donnes d'ailleurs l'idée, je crois que je vais faire une académie comme ça, un truc comme ça là. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un vient parler, c'est là, il y a trop de Decepticons. Non, on fait même les deux, ouais, on peut faire un truc comme ça. On fait les réunions quotidiennes là. Les manifestations quotidiennes. Un truc comme ça. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. J'aime les idées comme ça. Bertrand, money is sweet. Money is sweet. L'argent est bon. L'argent est doux. Premier, tu dis comme, tu dis mon argent. Elle dit que le premier jour que son banquier l'a appelé, parce qu'il a vu l'argent qu'il avait dans son compte, il dit, il commence à lui faire le lèche-botte là. Madame, vous savez, on peut prendre votre argent, on fait comme ça. Elle dit, rappelez-moi plus tard. Elle raccroche. Tu imagines, tu raccroches à ton banquier. Après, elle me dit, c'est jouissif. J'ai dit que quoi? Elle me dit que c'est jouissif quand ton banquier te court après. J'ai dit que. Vous savez quoi? Ma part de conversation que je lui dis là. Moi... C'est toi qui harcèles le banquier. Chaque jour, le banquier connaît déjà ton nom. Oh, Madame Martinez, vous êtes encore là. Bonjour, madame. 2 heures plus tard, il te reçoit. Oui, madame, nous sommes désolés. Mais nous avons besoin. Si jamais il y a un truc qui se passe, on va vous appeler. Madame, on vous dire. On vous dira, madame. Beyoncé a chanté, elle a dit, The best revenge is your paper. La meilleure revanche, c'est ton argent. La meilleure revanche. Surtout quand tu sais que l'argent va encore venir. Ça va encore venir. Et plus tu as l'argent, plus on te donne. Hein. Voilà la meilleure partie. Voilà la meilleure. Voilà ce qui me. L'argent appelle l'argent. Je vous dis. Ha. Il y a des gens qui, seulement parce qu'ils voient la voiture que tu conduis, ils te donnent l'argent. Alors qu'il est à pied.
Pardon, j'ai trop ri aujourd'hui, j'ai trop ri, j'ai fini avec ça, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est le meilleur direct de votre journée, de votre vie même. Je déclenche les choses en vous. Écoutez, mesdames, il y a des désirs en vous. C'est pas l'homme que vous voulez. C'est pas l'homme. Il y a des désirs en vous que je souhaite réveiller ce matin. Tu te lèves, tu dis, je pars à Hollywood. Dans 2 jours, tu es à Hollywood. Ah, tu vas là où tu veux, comme tu veux. Comme ça, hein. Tu arrives même là-bas, tu avais booké 4 jours. Le deuxième jour, tu dis, je vais rentrer. Tu prends encore notre ticket, tu rentres. L'argent te donne la liberté de penser. You think freely. Et quand tu peux penser sans passer par quelqu'un pour réaliser ta pensée, oh là 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 là, ça c'est l'apogée. Ouais, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu sais que c'est lui qui va financer le projet. Oui, je voulais te demander. Et tu n'as pas besoin d'argent pour faire l'argent. Tu as besoin d'énergie pour que l'argent vienne à toi. C'est ça le contraste. Ce n'est pas l'argent qui va appeler l'argent dans ta vie. Élève ton énergie et l'argent va venir dans ta vie. Vous m'entendez? You did hear me? Ah oui, je vous avais parlé de mon trou aussi sur l'oreille, non? Vous voyez? Là. J'espère que c'est ici. Hein? Ouais, j'ai un trou sur l'oreille là. L'énergie. Il y a des gens que si tu élèves ton énergie, ils vont venir. Ah, oh, tiens, je t'avais promis depuis, tu sais, bon, je sais même pas ce qui se passait. Voilà, je t'ai viré l'argent. Donne-moi ton orange, money, je te... Ouais, voilà ça. Parce que ton énergie a changé. Ça, c'est le trou des choisis. So live your life. Hey, hey, hey. Live your life. Bon. Faut que je descende manger. Je dois quand même profiter de mon petit déjeuner royal aujourd'hui. Vrai, vrai. Ok. Je vous envoie de l'amour. Envoyez-moi aussi l'amour. Envoyez-moi de l'amour. Cet amour va se transformer en argent. Cause I got my mind and my money. And I go everywhere. Hey, the people talking. Il faut de la bonne musique ici. Voilà, on a terminé. Je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Si ça me pique dans la journée, je vais faire le direct. Je pense que vous avez une bonne dose, parce que ça fait au moins 2 heures que je parle. Hey. So live your life. Whoa. Whoa. All right. Mettez de la bonne musique, vous écoutez. Vous allez voir votre énergie va monter. Je sais que vous n'aimez pas ça. Certains d'entre vous êtes des Decepticons. Vous aimez la tristesse. Vous aimez. Pourquoi elle est contente? Elle n'aime même pas l'argent, elle est contente. Soyez content. Élevez votre vibration. Bon, bonne journée. Au revoir.